Moi, je voudrais justement savoir quel est votre état d'esprit à titre personnel après une telle défaite. Comment est-ce qu'on se sent Très mal. quand, j'imagine. Mais Ouais. justement, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pu changer? Enfin, comment vous vous sentez à titre personnel? Et puis, comment est-ce qu'on se remet d'un revers comme celui-là qui est un peu dur quand même à encaisser? De toute façon, j'aurais rien changé, comme je l'ai dit. Enfin, j'ai répondu déjà à ça. Moi, je suis là pour prendre des décisions. Je suis là pour faire des équipes et après, j'assume mes choix. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était quoi par rapport à... Mais après là, on a une semaine en fait où on doit, de toute façon, rentrer chez nous, penser à rien d'autre que se reposer. Et après, on va revenir. Encore plus fort, on va recharger les batteries et on sait très bien que de toute façon ça c'est long et c'est dans des moments où justement c'est compliqué que Madrid apparaît toujours et ça c'est sûr et certain.